Lundi, Donald Trump a officialisé le retrait des États-Unis du TPP, le traité de libre-échange transpacifique. Un traité négocié durement par son prédécesseur, Barack Obama, malgré les craintes à l'époque de plusieurs ONG qui dénonçaient un texte aux probables effets pervers sur l'environnement et les droits des travailleurs. Nous allons commercer, mais on va le faire en tête à tête. Et si quelqu'un se comporte mal, on va lui envoyer un contrat de résiliation. Il aura 30 jours pour se reprendre ou on partira. Le président républicain veut renégocier les accords commerciaux qui lient son pays au reste du monde. Sa prochaine cible, le traité de libre-échange nord-américain, l'ALENA, conclu avec le Canada et le Mexique. Lundi, le président mexicain a déclaré qu'il ne souhaitait ni confrontation ni soumission et que la solution est dans le dialogue et la négociation. Concernant le Canada, les États-Unis se sont voulus rassurants. Selon un conseiller de Donald Trump, les choses devraient bien se passer pour ce pays qui fait figure de modèle de bonnes relations commerciales.